Bonjour Fatima, comment vas-tu? Bonjour, merci. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est notre Seigneur. Voilà. Je suis née d'une famille musulmane. Dans une partie de ma vie, j'étais dans une tourmente et j'ai prié Dieu comme de mon cœur, sans passer par des protocoles. J'ai ouvert mon cœur et j'ai prié Dieu directement. J'ai eu un songe. Au matin, je me suis réveillée, je me suis dit, il s'est trompé, moi je suis musulmane. C'était quoi le songe? Alors, le songe en question, c'était la guerre en fait. C'était une armée puissante, c'était quelque chose d'assez effrayant. Il fallait se cacher, on était persécutés, les enfants étaient abandonnés. C'était une puissance incontrôlable, pas une puissance actuelle qu'on n'a jamais vue. Mais on était protégés par la grâce de Dieu. Et quand on est sorti, quand la tempête est passée, en levant nos yeux, on a pu voir le Christ qui dominait le ciel entier. Donc il était là. Amen. Ouais. Je me suis réveillée, je me suis dit, c'est pour les chrétiens, c'est pas pour moi. J'ai redemandé la nuit d'après, le soir après, j'ai reprié le Seigneur de tout mon cœur. Et j'ai dit, voilà, moi je suis musulmane, je m'appelle Fatima. Montre-moi le chemin. Et j'ai prononcé le chemin, qui est le chemin, la vérité et la vie. Cette nuit-là, j'ai fait un songe magnifique, quelque chose de merveilleux qui n'existe pas sur Terre. Je me suis retrouvée ailleurs, dans un espace qui est indescriptible. On ne peut pas l'expliquer avec des mots terriens. C'est d'une beauté. Il n'y a pas la moindre poussière. La poussière qu'on trouve sur nos meubles n'existe pas là. Quand on arrive, on est transporté. Les gens, les êtres qui sont là ne marchent pas. Ils volent. Il n'y a pas, et on dirait qu'ils n'ont pas de pieds. Quand on arrive pour la première fois qu'on est, entre parenthèses, invité à voir ce qui se passe, on est escorté, qu'on le veuille ou non. On n'a pas le choix. On ne peut pas se promener où on veut, comme on veut. J'ai vu des choses qui n'existent pas sur Terre. J'ai vu des beautés qui sont indescriptibles. J'ai cherché, mais il n'y a aucune comparaison. J'ai entendu de la musique qui n'existe pas. J'ai vu des gens danser à la gloire du Seigneur qui n'existe pas. Je me suis dirigée vers une pièce où j'ai vu des fleurs que je n'avais jamais vues de ma vie. C'est indescriptible. L'âme de la fleur existe. On voit l'intérieur de la fleur. À un moment donné, je me suis retournée et j'ai vu un trône. Et juste derrière, le Seigneur est apparu. Il est l'essence même de l'amour. On ne peut pas résister, on fond devant lui. Il est tellement, il en a mis un petit peu dans le souffle de vie qu'il nous a donné. Mais comparé à lui, ce n'est rien. Il est l'essence même de l'amour. Et il en a pour nous. Il m'a montré ce pourquoi les gens se battent dans le monde. Il m'a montré l'or qui était sale. L'or qu'on porte sur nous est sale. Ne le portez plus, ça c'est ce que moi je vous dis. Parce que Dieu ne l'aime pas, c'est sale. Et pour cet or-là, les gens tuent. Voilà ce qu'on m'a dit. On tue pour ça. Je me suis réveillée, je me suis posé des questions parce que c'était la deuxième fois. Je ne comprenais toujours pas. Et je cherchais et j'avais peur d'en parler. Je parle à tous les musulmans qui peuvent m'écouter. Si Dieu vous visite, il est de votre devoir de l'annoncer. N'ayez pas peur du voisin, de votre père, de votre sœur, de votre enfant. Car demain, si vous n'avez pas témoigné, demain Dieu vous demandera des comptes. Et vous ne pourrez pas avoir accès au paradis. J'ai refait par la grâce de Dieu un autre songe.
Donc le cheminement du chrétien. Une fois qu'on a découvert le Seigneur, eh bien il faut en parler. Dans mon rêve, on m'a demandé, es-tu prête à témoigner? J'étais chargée, j'avais mes bagages, je ne comprenais pas. Les bagages du monde, les bagages de la vie qui ne servent à rien. On m'a demandé, es-tu prête à témoigner? Il m'a fallu quelques secondes pour réfléchir. Mais quand j'ai dit oui, eh bien ce bagage que je tirais, qui était noir, a disparu. Je me suis réveillée, je me suis posé mille et une questions. Par la suite, j'ai compris, avec un autre rêve que le Christ m'a montré. Il est à l'entrée du paradis. Il est à l'entrée du paradis. Et il nous attend, c'est pour bientôt. Et m'a montré que pour rentrer au paradis, il ne suffit pas d'être chrétien. Il m'a montré que la croix devait être ancrée dans le sol, ce qui veut dire avoir une foi solide. Celui qui n'a pas une foi solide n'entrera pas. Et de l'autre côté, c'est horrible. Donc il ne faut pas céder, ce ne sont que des chimères. Abandonner les vêtements, la mode, la bêtise, ce que les gens courent pour rien. On court après le vent. Par contre, courir pour sauver son âme, ça, ça a de la valeur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. J'ai la joie, en lui j'ai l'amour.
tu m'aimes.